Juliette, oui? Comment tu trouves mon maquillage? Soap et simple. Merci. Wow! Ne me dis pas que mon beau t'invite dans un coin chic. De quel beau tu parles? Non mais, ne me fais pas pleurer de rire. Mon maquillage va couler. Mais, que vas-tu donc faire à Bastos? Je vais chasser. Chasser? Oui, oui. Il y a plein de beaux mecs riches à Bastos. Donc, je vais me faire draguer par un milliardaire qui n'attend que les filles comme moi à Bastos. Donc, tu t'en vas à Bastos pour te faire draguer? Oui, oui. Tu n'as pas déjà un copain? Et lequel des copains? Celui que tu m'as présenté la dernière fois en Guayaquil. Ma juju, quand je parle de Bastos, évite d'aborder Guayaquil. Ce qui se passe en Guayaquil reste en Guayaquil. J'espère jusqu'à si un milliardaire te drague pour de vrai, tu penseras à moi. Une chose est sûre, je vais me faire draguer. Le reste, on verra. À ce soir. Un instant, s'il vous plaît. Madame, vous avez laissé tomber ceci. Oh, merci beaucoup. Vous me sauvez la vie. Ah, ce n'est rien. N'importe qui allait le faire. Mais c'est vous qui l'avez fait. Vraiment, merci. Tu es super belle. Merci. Comment tu t'appelles? Brenda. Waouh! Quel joli prénom. Comment je veux faire pour te revoir? Je peux avoir ton chiffre? Tu permets? Je ne peux quand même pas refuser cela à un homme qui a été si serviable envers moi. Tiens. Je peux quand même t'éviter à prendre un pot. Sans souci. D'accord, beauté. On va de ce côté. Ok. Je t'avais dit qu'un bel homme riche allait me courtiser à Bastos. Raconte-moi tout. Bien. Ma chère sœur, devine quoi? Raconte-moi tout, ne fais pas de soucis. Il était gentil, poli. Il me disait, vous êtes belle, élégante. Il me complimentait et me mettait à l'aise.
Non, c'est pas que tu es en train de tomber amoureuse. Ma Juju, pour que je puisse tomber amoureuse, il faudrait que ses poches et son porte-monnaie parlent pour lui. Mais il t'a offert une journée qui apparemment t'a plu. Et je suis sûre que ce que vous avez mangé ne valait pas 10 francs. Et tu crois qu'un petit restaurant dans un coin chic suffit? Ma Juju, tu es tellement naïf. Laisse-moi t'expliquer. Les choses se font étape par étape. Première étape, trouver un homme riche. Okay. Ce qui est déjà fait. Deuxième étape, investir avec les millions qu'il dépense sur nous. Et maintenant, l'étape 3 au choix. On peut choisir de pousser la relation jusqu'au mariage. Ou bien, on peut, après investissement, rompre la relation tout simplement et chercher un autre riche qui investira 2 fois plus sur nous. Quelle ambition! Lorsque je serai devenue riche, tu verras. Bonne chance dans ta richesse. Moi, je continue à classer mon frigo. Tu sais, vraiment, l'avenir se trouve à Bastos. Non, mais... Il faut que je prenne une douche bien serrée. Matin, car je ne suis pas problématique, mais ta manière d'agir ne me plaît pas. Je comprends mon frère, mais calme-toi. Me calmer? Tu sais combien de temps j'ai toléré? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il t'agresse comme ça? Ok, passe à la maison et on va gérer. Nous ne sommes plein de discussions et tu le sais. Je suis ici pour une seule chose et tu sais de quoi il est question. Donc. Mon frère, tu ne comprends pas le français. Attends le soir, vous allez gérer. La vie de mendicité ne sert à rien. Quoi? Vous me traitez de mendiant, madame? Je vous rappelle que c'est par respect que je me retenais. Donc. Je n'ai pas de quoi me mettre, mon frère. Sois clément. La clémence? Tu me demandes de t'être clément, matin. Tu me dois de l'argent. Tu as lu ma veste et ma paire de chaussures. Quoi? Tu as promis que tu me paieras après 3 jours. Et maintenant, tu es devenu ingéniable. Et tu permets cet homme de m'insulter? La chemise. La chaussure. Le pantalon. Je n'ai rien en bas. Madame, occupez-vous de ce qui vous concerne, ok? C'était qui celui-là? C'est l'un des cadres de l'entreprise où je travaille. D'accord, mon cher ami. Regarde-moi. Regarde-moi bien, parce que c'est la dernière fois que tu me vois. Désolée, mais vraiment merci pour toi. Hein. Mais au revoir. Quitte. S'il vous plaît, monsieur, amenez-moi loin d'ici.
Qu'est-ce qu'il veut encore celui-là? C'est terminé? Oui, boss. Je te présente Abdel, mon chauffeur. Hein? Je suis le propriétaire de ce restaurant et de 12 autres dans la zone. Et tout ceci n'était qu'un test pour savoir si tu étais vraiment sincère. Martin. J'ai été berné tant de fois et je voulais me rassurer qu'avec toi, je n'étais pas en train de commettre une erreur. Je n'ai pas en train de commettre une erreur, Martin. Tu m'as déçu, Brenda. J'aurais toléré que tu te fâches parce que je t'ai menti. Mais j'ai été surpris que tu ne manquais pas de cran de monter dans la voiture du premier venu. J'aurais tout imaginé, mais pas ça venant de toi. Tu peux sortir. Non, ce n'est pas ça. Le patron te demande de sortir. Martin, tu sais, je t'aime et... Je suis parfois bipolaire et... Le patron vous demande de sortir. Martin, à l'église, le pasteur a dit que... Le patron vous demande de sortir. Vous pouvez sortir. Martin, j'ai souffert. Martin, je vais mourir. Martin.